Dis donc Internet, cette semaine, au niveau personnel, il s'est passé quelque chose d'un peu triste chez moi. En fait, j'ai deux enfants. Et c'est pas ça qui est triste, ça c'est plutôt cool. Mais voilà, à chaque accouchement, j'ai offert un cadeau à ma femme. Et pour la naissance de mon deuxième fils, je lui ai offert une bague. Et cette semaine, elle l'a perdue. Ouais. Le bébé, hein, pas la bague. Évidemment, c'est la bague qu'elle a perdue. En fait, je me suis retrouvé dans une position que je maîtrise pas du tout. D'habitude, c'est moi le mec qui fait les trucs débiles. Mais vraiment, c'est moi qui mets un pull en cachemire à la machine en faisant « Ah, pardon !» C'est moi qui oublie une valise comme ça sur un tapis roulant à l'aéroport, comme ça, tu sais, et puis qu'après tu te rends compte qu'à la maison en faisant « Bah ils ont pas les chaussons, les enfants !» Normalement, c'est moi. Et là, d'un coup, je me rends compte que c'est elle qui a fait l'erreur. Oh, c'est tellement bon, mon pote. Oh, je te jure, déjà, faire un cadeau à ta femme, c'est cool. Faire un cadeau à ta femme quand elle accouche, c'est très cool. Faire un cadeau à ta femme quand elle accouche et qu'elle ensuite, elle le perd. Oh. Oh, j'ai une immunité à la maison. Je fais ce que je veux. Après, il suffit que je la regarde en faisant... Je te jure, cette nuit, notre petit s'est réveillé. Je fais, t'y vas. Elle m'a dit, je crois qu'il est en train de s'étouffer avec ta bague. Immunité. Immunité absolue. Et d'ailleurs, il y en a un qui aurait besoin de l'immunité en ce moment. Hein, c'est François Fillon. Oh la vache, le pauvre, alors lui. En gros, c'est sa femme, Pénélope Fillon, qui a été employée en tant qu'attachée parlementaire, et son salaire était de 500 000 euros sur toutes les années où elle a bossé, puis finalement c'est 900 000. Puis en fait, il s'avère qu'aussi il a embauché ses enfants à hauteur de 84 000 euros, et en fait, il s'avère qu'au moment où il les a embauchés, ils étaient pas avocats, mais étudiants. T'es Fillon, c'est ton boucher qui fait « Bon, il y en a un peu plus finalement, je vous le mets quand même. » Et c'est horrible parce que le mec il a fait toute sa campagne sur le fait qu'il fallait être intègre. C'est pour ses soutiens que c'est difficile. C'est comme si ça fait 20 ans que tu donnes de l'argent à la recherche contre le cancer et tu te rends compte qu'avec cet argent là il s'achète des clopes. Bah. Alors évidemment on n'est pas certain que l'emploi soit fictif. Et il y a une enquête qui est menée là et apparemment... Ouais là, la Pénélope Fillon, elle avait pas de badge ni d'adresse mail. Hein. Ça en dit pas long sur notre pays, ça? C'est-à-dire, c'est comme ça que tu sais si les gens bossent en France. S'ils ont un badge. Tu sais, tu peux te retrouver face à un vigile. Bah non, mais c'est moi. Mais non, non, y a pas de badge, vous rentrez pas, monsieur. Mais je suis ton patron, c'est mon nom qu'il y a sur le... Puis 900 000 euros, c'est juste en ayant un badge et une adresse mail, ça passe. Quand tu veux un appartement, t'es obligé d'avoir 17 mois de loyer d'avance. T'as besoin de 15 mecs derrière qui font « C'est bon, je me porte caution !» Et là, t'as un badge, une adresse mail, t'as 900 000 boules. Moi, j'ai une adresse mail, hein. Je peux avoir 450 ou quoi? Ce qui est terrible, c'est que derrière, Pénélope Fillon, elle arrête pas de l'expliquer. Elle ne se souvient pas d'avoir signé un contrat de travail. Oh, c'est dommage. Ouais, je trouve ça triste. Je me souviens plus de la blague, en fait. Je vais être sincère avec vous. C'est bien. En fait, je me souviens de la prémisse et je me souviens plus du tout de la vanne que j'avais trouvée derrière. Enfin, ce qui me choquait, c'était qu'en fait, elle a touché 900 000 euros et elle ne se souvient pas si elle a signé un papier ou non. Alors que toi, quand tu vas t'acheter un grille-pain chez Darty, tu t'en souviens du chèque. Tu le sais que t'es allé voir le vendeur en disant « On peut payer 3 fois sans frais, s'il vous plaît ?» Non, merde, tout ça pour ça. Oh non. On était à ça d'avoir une bonne blague. Attends, non. Alors, tu sais que normalement, ça devait être ma chute. Mais en fait, je viens de réaliser que j'ai la meilleure chute du monde, là, maintenant. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Du mercredi au samedi ici au Grand Point Virgule. Les vendredis soirs, on tourne. Merci beaucoup.